Yo les amis, bienvenue sur la chaîne de Griffondou et Shadow. Nous sommes à la Geek Expo d'Avignon. Donc là c'est la première partie parce que je suis j'ai pris le pass 2 jours, donc dimanche je serai là. Donc la première partie de la Geek Expo sera publiée. Attends, c'est pas pour toi. Un corbeau. Moi j'ai un corbeau. Griffon. Ah merde. Excusez-moi. Bref, donc voilà, je vous présente la Geek Expo. J'ai fait mon possible pour vous le montrer un peu tout. Mais bon, sur la vidéo, vous aurez samedi, dimanche inclus, parce que je pense que je ne ferai pas deux vidéos séparées. Donc voilà, bon courage pour voir toute la vidéo en entière. Et pour les nouveaux, abonnez-vous. Allez, ciao. Alors là, on se retrouve dans le hall B. Le hall B, normalement, c'est là où il y a tous les jeux vidéo. Il y a un espace gaming qui est là. Là, je sais pas trop ce que c'est, en fait. Vous avez un espace de gaming juste là. Alors là, vous avez l'espace de Call of Duty. J'ai participé à Call of. Je ne suis pas encore un champion. Même si je prévois de vous faire des vidéos sur Call of Duty mobile, j'ai encore à m'améliorer. Là vous avez tous les stands, un bar pirate que j'ai déjà vu. Donc, je vais faire le maximum pour aller plus vite. La file d'attente, oui. Oui, tout en fracot.
c'était l'ancien jeu que je jouais à l'époque, avant Call of. Bon les amis, je coupe la vidéo et on se retrouve dans l'autre bâtiment. Avant ça, je vous montre un peu les trucs. On se retrouve dans l'autre bâtiment, les amis. Bon, je vous présente quand même l'extérieur, qui est quand même énorme. Là vous avez tout ce qui est fast food, trucks, etc. Jusqu'au tout au bout là, avec des files d'attente énormes. Mais si vous avez bien faim, ça vaut la peine. Donc voilà. Allez, espace détente où tout le monde se situe en général. Voilà. Je vous avais pas montré l'année dernière ce petit coin. Du coup, vous voyez, je me dirige quand même à l'autre bâtiment, ce fameux bâtiment A, où il y a la majeure partie du temps plus d'affaires à voir. Moi ce que j'aime bien c'est quand même ça, le bâtiment il est magnifique. Les mêmes stands hein, dans chaque convention. La chose qui rend unique, c'est quand même voir les voitures différentes, comme celle-là. Je suis sûr que t'as pas mal au dos d'âne avec ça. Hein. Bon, y a le soleil qui tape. Je vous dis pas la chaleur qu'il y a avec le masque plus fort. Bah si, je pense que vous savez.
Je disais par rapport à la vidéo qu'elle serait longue, mais finalement, à force de couper des petits passages, ça aussi. Bah allez, on continue. J'ai plus de chaussettes. Normalement, vous avez les stands artistes. Ouais, c'est ça. Depuis le temps que je le fais. Voilà. Tout des stands, des cookies, etc. Un peu de ceci. Donc on est bien d'accord que quand on parle de costume, parce que finalement il serait très facile d'aller dans un magasin, d'acheter un costume tout prêt. Vous venez de le fabriquer. Donc vous attachez on dirait pas trop une galerie marchande. Hein. Quelles sont les matières que je vais utiliser, qu'est-ce que je vais dites-moi dans les commentaires. Monsieur, vous êtes d'accord pour aller marcher avec le tiens. Une autre question.